Allons chercher un, Guillaume. Sur le site, vous êtes combien tous les matins à entrer ici? On est environ 50, entre 45 et 50 personnes à rentrer tous les matins à titre d'horticulteur. Ensuite, il y a l'équipe d'entretien qui s'occupe des poubelles, des chemins, tout ça. Mais en horticulture, on est entre 45 et 50 à tous les matins. On est devant la terre-mère, qui est une des pièces maîtresses. Pour vous, qu'est-ce que ça représente comme travail, l'entretien d'une pièce comme celle-là? Une pièce comme la terre-mère, il faut comprendre que sur cette pièce-là, il y a environ 300 000 plantes. Donc, dans 6 ou 7 variétés différentes. Donc, il faut l'entretenir, il faut les tailler, les nettoyer. Il faut remplacer les plantes qui meurent. Il en meurt toujours un peu. Ou on en rajoute, parce que des fois, on trouve qu'il y a un passé dense, donc on en va en rajouter. Donc, une pièce comme celle-là, ça a pris 3 semaines à planter. Et en entretien, c'est au moins 2 heures d'entretien par jour, juste celle-là. C'est à 2 personnes, parce que dans les nacelles, elle est en hauteur. Donc, on ne peut pas se permettre d'être beaucoup de monde dessus. Sinon, il faut rester au sol, mais on n'atteint pas le visage au sol. Donc celle-là est assez d'entretien. T'sais. Le plus grand enjeu, bien, il est hors de notre contrôle, c'est vraiment la température. S'il pleut trop ou il fait trop froid, mais la pluie, vient. S'il y en a trop, ça vient nous nuire. Le manque d'eau va nous nuire moins que le surplus d'eau. S'il en manque, on peut en rajouter. S'il y en a trop, on ne peut pas en enlever. Donc, et là, ça développe des maladies. Ça devient plus compliqué à l'entretien. Et s'il pleut trop, on ne peut pas tailler parce qu'on fait une blessure à la plante quand on la taille. Donc, là, ça implique un risque de maladie. Donc, quand il pleut trop, comme cette semaine, bon, on essaie de tailler le moins possible. À Québec, il fait un peu plus froid qu'à Montréal. Puis c'est correct comme ça, on est mieux en été, à vrai dire. Mais il a fallu qu'on commence tard. Donc, on a commencé plus tard qu'on avait prévu. On a commencé 2 semaines plus tard, mais l'ouverture était quand même le 24 juin. Donc, on a travaillé jusqu'à 2 heures avant l'ouverture à pluie pour être capable de finir les dernières plates-bandes. Et même le soir, avec des lumières, pour être capable de finir. Donc, c'était pas une période facile pour le montage de cette exposition-là, mais le résultat est vraiment très beau. On est contents. Donc, c'est ça, on a ça jusqu'au 10 octobre. Puis après ça, qu'est-ce que vous allez faire avec toutes ces plantes-là, ces fleurs-là? Après 10 octobre, quand on fait le démantèlement, toutes les plantes vont être compostées. Les arbres vont être soit cédés au parc ou à des organismes qui en feraient peut-être la demande. Ou sinon, on a si personne n'en veut, on va les récupérer, on les ramène à la ferme, on va les planter. Et puis, si dans un temps futur, on a besoin, on va les reprendre pendant une autre exposition. Merci beaucoup. Avec plaisir.